Laisse-moi tranquille si tu ne veux pas que je dise à tout le monde que tu as un doudou qui s'appelle Monsieur Miaou. Fais-toi plaisir, mais s'il lui arrive quelque chose, t'auras affaire à moi. Et à moi. Et à moi. C'est ce qu'on va voir. Oui. Au revoir, Limace. Je ne voudrais pas être à ta place. Arrête-les, robot. Maintenant, on n'a plus qu'à inverser le processus. Oh, oh. Oh, Lionel Junior, il m'a plus mette adorée. Oh non. Comme ça, le grand méchant robot a stoppé le petit chat dans son élan. Maintenant, ligote-les. Ne vous inquiétez pas, ma frappe éclair va vous sauver. Mais ce n'est même pas un vrai truc de super-héros. C'est juste dans ta BD. Zoé Zap, attaque éclair. Alors, petit scarabée, tu ferais mieux d'arrêter le karaté et de te recycler. Robot. Non, lâche-moi. Oh non, tout ça à cause de mes bêtises. Bibou, est-ce que ça va? Oui, mais je suis désolée. Pourquoi je veux ressembler à Zoé Zap? Je suis Bibou. Maintenant, Roméo va récupérer les plus beaux livres de la ville. Ah, je les ai déjà. Et bientôt, ils seront remplis de photos de moi. Vite, rattrape-les. On te rejoint avec le chat bolide. D'accord. Et cette fois, je vais utiliser mes pouvoirs de hibou. C'est l'heure d'être un vrai héros. Pourquoi elle garde son livre de Zoé Zap avec elle? Hibou Vision. Alors, je vais leur voler dans les plumes quand je les aurai trouvées. Là! Chabolide, cache-toi! Pile quand j'ai besoin de vous. Tiens, mettez-vous derrière ces deux arbres et tendez-la bien, au ras du sol. Si on veut arrêter Roméo, on doit d'abord arrêter son robot. Et maintenant, Bibou? Maintenant, l'extraordinaire Bibou va utiliser ses propres super pouvoirs. D'abord, Bibou, aile de la nuit. Puis, Hibou Vision. Youhou! Regarde, Roméo, tu n'as toujours pas attrapé mon livre préféré. Quoi? Attrape-le, robot. Tu croyais que ça allait être aussi facile? Donne-moi le livre. Arrête. Viens le chercher. Il faut qu'on saute avant qu'il décolle. Prêt? 3, 2, 1. Non. Yo-yo, acrobasso. Ouais. Je te tiens, Roméo. Bibou, pourquoi t'as fait ça? Et toi, pourquoi t'as fait ça? À cause de toi, Roméo s'est échappé. Non, il s'est échappé parce que t'es parti en colère contre moi. Parce que tu m'as fait peur au musée. Ah. Oh là là. Alors, les pyjamasques, on se chamaille? Vous voulez dans les plumes? Yo-yo, méga bon. L'incroyable yo-yo a réussi à attraper l'horrible queue du monstrueux dinosaure. Oh. Tu peux toujours t'accrocher, sac à puce, je vais te faire lâcher. Je ferai mieux de l'aider. Bibou, aile de la nuit. Quoi? Non! La
moi je ne fais rien du tout. Celle qui travaille, c'est ma diabolique boîte à malice. Grâce à une simple petite équation mathémaléfique. Oh, tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas voulu essayer autre chose. J'ai répété les mêmes erreurs encore et encore pour attraper Roméo. Si je n'étais pas restée bloquée tout le temps sur une seule et même idée, il n'aurait jamais pu terminer sa boîte à machin. Non, ma diabolique boîte à malice, tu veux dire. Si vous me cherchez, je serai à l'intérieur. Sur mon trône. Oh, on n'arrivera jamais à entrer. Hein? Là-dessus, tu as raison, Yoyo. En revanche, il y a peut-être un moyen d'attirer Roméo hors du musée. Allez, c'est l'heure d'être un vrai héros! Est-ce que je me ferais plutôt appeler Monsieur le maire Roméo ou Sa Majesté Roméo? Maître, venez voir, c'est urgent! Qu'est-ce que... Le labo est en marche? Mais c'est impossible! Il n'est pas encore chargé! Ah! Sors de là tout de suite! Robot! Yo-yo, rapido! Quoi? Hein? Pourquoi ça marche pas? Ça bougeait il y a 2 secondes! Tu as raison, ça bougeait! Mais seulement grâce à mes glu-glu méga muscles! Hein? Alors c'était une ruse! Ma boîte! Non! Maître, n'oubliez pas les... Oh. Les pièges que j'ai posés! Ah Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Du moment qu'on ne marche pas sur... Maintenant, la parabole. Ça, c'est du bon travail, tête de tétard. À toi, Super Zéro. Apporte-moi ma nouvelle Roméo commande à rayon. Par mes oreilles de chat. Merci, sac à puce. Pour un peu, tu commençais presque à me plaire. Sautez, les pyjaminus. C'est plutôt rigolo, mais je voulais vous faire faire des grands bonds, pas sautiller. Il faut encore que je règle quelques petits détails. Bibou, saute au-dessus du labo et descends par la trappe pour lui prendre sa télécommande. Et toi, Glu-Glu, essaye d'atteindre le haut de l'antenne pour faire tomber la parabole. Qu'est-ce que vous attendez? C'est pas parce que c'est toi le chef d'équipe que tes idées sont forcément les meilleures. Et on voit ce que ça a donné quand c'est toi qui commandes. Mais... Oh, si seulement je pouvais arrêter de sauter, c'est vraiment pénible d'être commandé. Attendez, mais c'est ce que je faisais avec vous. Sans tenir compte de vos idées, à cause de moi, Roméo va bientôt contrôler tout le monde. T'inquiète pas, on va trouver une parade. Ouais, un bon chef ne doit pas juste être là pour donner des ordres, mais aussi pour écouter. C'est l'heure d'être un vrai héros et d'écouter vos idées. Bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? On laisse Roméo te contrôler? Comme ça, tu peux le distraire pendant qu'on s'occupe de l'antenne et de la parabole. Super! Suivons votre plan! Réglé! Maintenant, vous allez tous sauter! Ok, fini de jouer! Je vais sur la place de la ville où le signal de ma télécommande pourra atteindre tout le monde. Et n'essayez pas de me suivre ou je reprendrai le contrôle sur vous! Hé, hey, Roméo, je suis l'incontrôlable Yo-Yo et je vais te barrer la route. Dans tes rêves, pyjaminet. Et puisque tu crois pouvoir m'arrêter, je vais t'emmener avec moi et tu verras comment je deviens le maître du monde. Allez, danse, qu'on rigole, danse. Suis-moi. Ah oh, où est le vrai Glu-Glu et la vraie Bibou? C'est moi, la vraie Bibou. C'est moi, le vrai Glu-Glu. C'est moi. Non, c'est moi. T'es bien avancé maintenant, Yo-Yo. Tu ne sais plus qui est qui. Il y a un pouvoir que tes robots n'ont pas. C'est celui de l'amitié. Bibou, Glu-Glu, à vous. Oui, roue acrobatique. Turbo tourbillon. Tu vois, Roméo, je sais qui sont mes amis. Prêt pour notre enchaînement? Attrape-les! Faisons de la pâtée pour chat! Ah!
Vous avez détruit le travail de toute une vie. La prochaine fois, vous allez me payer ça, les pyjamasques. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Maintenant qu'il n'a plus d'ordinateur. C'est sympa d'avoir fait des statues à notre gloire. Pyjamas, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Un papillon, il a dû échapper à Sorceline. Il faut le faire venir avec nous. Hé, hey, joli papillon, tu veux voler avec moi? Tu viens, on te ramène à la maison. Oh, tu as de très belles couleurs, petit papillon. Laquelle tu préfères sur moi? Celle-là ou celle-là? On va y passer la nuit. Ce qu'il nous faut, c'est mon yo-yo rapido. Hé, où est passé le baby? Je te tiens. Quoi? Tu ne crois pas que tu y es allé un peu fort? Laisse-le sortir, il est triste dans sa boîte. Mais c'est le meilleur moyen de le ramener chez lui. Et il y en a d'autres à attraper. Regardez. D'accord, mais avec eux, on essaye la manière douce. Timsy, c'est par ici. Ouais, venez. Vous préférez rouge, vert, bleu ou couleur de l'arc-en-ciel? Yo-yo rapido! Un, et deux, et trois! Ouais! Par mes moustaches, je suis trop fort pour les attraper! Wow! Yo-yo, vas-y gentiment. Tu fais du mal à ces pauvres papillons. Mais je fais ça pour les aider. La question, c'est de savoir où Sorceline cache les autres. Et là-haut, il y a ces papis nuits. C'est ça, volez et partez. De toute façon, je n'ai plus besoin de vous. Allez, les pyjamasques, à l'attaque! Vous n'avez pas été à la hauteur, misérable papinu. Il est temps d'essayer ceux qui vont vous remplacer, les papillons. Que vous croyez, vous n'irez nulle part, joli papillon. Pas si vite, Sorceline. Les pyjamasques sont là pour les libérer et les rendre aux eaux. Bon, d'accord, les papinuits. Mais c'est votre dernière chance. Débarrassez-moi de ces pyjaminus. On a besoin d'un meilleur plan. Je ne maîtrise plus la voiture, sortez d'ici. Laser à maladresse. Ah, donc il faut détruire le rayon laser pour inverser ses effets. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Trop tard. T'as vendu la mèche maintenant, Roméo. Vous êtes trop maladroit. Regardez-moi m'échapper en beauté. Par ici. Non, attends, à gauche. Parce que je te dis, espèce de labo dingo. Roméo est trop maladroit pour conduire son labo. Mais comment on va l'arrêter dans notre état? Je sais comment. Quand on essayait de ne pas être maladroit, on l'était encore plus. On a même accidenté le chabolide. Oui. Donc il faut qu'on se serve de nos maladresses. De main gauche, zigzag de zinzin et glissade à gogo. Comme des pouvoirs de maladresse. Cool, caméléon. Wow. Mais le labo de Roméo va dans tous les sens. Il va falloir qu'on se coordonne un minimum. Il arrive. Prêt? Et... partez! Le glisse super mago. Pouvoir du zigzag de zinzin. Le bleu super main gauche. C'est Maître Fond qui va régler les soucis. Et si on les réglait tous les deux, comme dans l'épisode d'hier soir? Ou alors, vu que je suis Zoé Zap, je peux... Attendre ici, excellente idée. On y va. Rends-toi, robot! Soit tu remets les jeux que tu as pris à leur place au parc, soit tu vas avoir affaire à Maître Fang et son célèbre coup du dragon! Et à Judoka d'or et sa fameuse tourna du tonnerre! Négatif! Tu l'auras voulu! Aïe!
Fang et Judocador sont hyper résistants. Même si normalement ils ne se rentrent pas dedans. Allez les garçons, il faut qu'on s'y mette tous ensemble pour l'arrêter. On disait que j'étais Zoizap. Désolée, mais ça va pas avec l'univers de Maître Fang. T'as qu'à faire Youpi, son fidèle compagnon. T'aboies quand il y a du danger. Ouf, ouf. Mais j'ai pas envie d'aboyer comme un chien. Hein? Revoilà les pigeonouilles. Je vais vous montrer comment on s'y prend. T'as fini de faire n'importe quoi. Tu vas m'écouter et obéir. Il détourne l'attention du robot. C'est le moment ou jamais. T'as raison. Prêt, Judocador? Évidemment. Je peux utiliser mon yo-yo rapido pour lui faire le coup de la grue à la vitesse de l'éclair. Là, je me servirai de mes méga muscles pour lui décrocher une droite du destin. Mais, et moi alors? Désolée, mais Youpi ne connaît pas de prise d'arts martiaux. Allez, on y va. Puisque je vous dis que je ne suis pas Youpi, mais je serai Zoizap. Grrr, je veux que tu m'obéisses. Négatif. Non mais tu te fiches de moi là. Hé, hey, robot, c'est ta dernière chance de nous rendre les jeux que tu as pris au parc. Je ne vous laisserai jamais prendre mon robami. C'est mon nouveau meilleur copain. Robot, tu es cerné. Viens affronter Judocador et Maître Fang si t'es un homme. Ou même si t'es un robot pour le coup. Et ne m'oubliez pas, c'est Zoizap et sa toute nouvelle technique, la balayette volante de Zoizap. Bibou, attention! Bonjour, je m'appelle Robert. Viens, Piu-Piu, c'est l'heure de dîner. Pendant ce temps, on va nettoyer l'étage de Yo-Yo. Sorceline encore? Nom d'un hibou déplumé. Je dois prévenir Yo-Yo et Glu-Glu. Non, Piu-Piu, toi reste ici et mange. Je reviens très vite. Je viens de repérer Sorceline sur l'écran hibou vision là-haut. Elle est ici. Très bien, allons-y, on y va. Attends, c'est quoi ça? Oh, c'est un bol de nourriture pour Piu-Piu. Elle avait l'air vraiment affamée tout à l'heure. Tu devrais peut-être lui apporter. Oui, je vais le faire, mais là tout de suite, il faut régler le problème Sorceline. Elle a carrément oublié de te nourrir, ça c'est pas gentil. Bien, allez, vas-y. Fais bien comme je t'ai appris. Pendant ce temps, je fais diversion pour que les super zéros quittent leur QG. Essayez de m'attraper, les pyjamas. QG. Il est simplement transformé en aimant lunaire géant. Avec le champ magnétique, toutes les portes sont fermées. Et bientôt, il va attirer la ville entière grâce à une petite tourterelle et tout sera à moi. Quoi? C'est Piu-Piu qui t'a aidé à faire tout ça? Non, c'est impossible. Eh bien si, Bibou, cervelle d'oiseau, tu t'es tellement mal occupé d'elle que je l'ai vite convaincue de mettre mes cristaux lunaires dans votre QG. Et maintenant que votre repère est à moi, tu peux reprendre ton pied. Je ne comprends pas. Pourquoi Piu-Piu me laisse tomber pour Sorceline? C'est peut-être parce que tu n'as pas assez pris soin de ton oiseau. Alors tout est de ma faute. Si je l'avais dressée et nourrie, si j'avais fait plus attention à elle, rien de tout ça ne serait arrivé. Oh, Piu-Piu, si jamais tu m'entends, je suis vraiment désolée. Un animal, ça ne sert pas qu'à s'amuser. J'aurais dû mieux m'occuper de toi. Mais je vais tout arranger. Oui, c'est l'heure d'être un vrai héros. Alors j'ai bien l'intention de... Regardez là. Allez les pyjamasques, on va arrêter Roméo. Bibou, aile de la nuit. Bibou. Waouh, j'ai failli me prendre une branche. Merci Yo-Yo. Ça ne sert à rien de foncer, on va y arriver. Hey. Ce coup-ci, on devrait y aller tout doucement pour prendre Roméo par surprise. Pourquoi faire? Dépêchons-nous! Bibou! Je vais bien! Hein? Ces pyjamas que ne sont pas à bord de mon train, quand même. Je ferais mieux de les semer. Je suis désolée. Roméo a dû entendre qu'on était à bord du train. C'est pas grave. Changement de tactique. On va tous attaquer Roméo en même temps. Ensemble, on sera plus forts. Je compte jusqu'à toi. Et on saute sur lui. Un, deux... C'est parti. Bibou. Non, attends. Wow. Oh, pourquoi je n'ai pas écouté Yo-Yo?
que je me suis précipitée. Bibou ! Tu vas bien ? Oui. Je suis désolée. À chaque fois que vous avez un plan, je fonce sans vous écouter. Et je fais tout rater. On ne t'en veut pas. Si tu fonces, c'est parce que tu es impatiente qu'on essaye le train. Laissez-moi m'occuper de ce robot à tentacules. Glu glu, méga musc ! Ce coup-ci, c'est moi qui ai un plan. Mais pour qu'il marche, il va falloir que je prenne mon temps. C'est l'heure d'être un vrai héros. Ouais. Alors, vous faites bon voyage, les pyjamasques? Plus pour longtemps. Tu nous as déjà fait le coup, Ninjaka. Attendez un peu, il y a du nouveau. Et c'est vraiment la meilleure des idées que j'ai jamais eues. T'as déjà utilisé la toile d'araignée aussi? Oh, mais vous n'avez encore rien vu. Comment ça marche? Ah oui. Je crois qu'on est mal parti. Je vais vous catapulter sur votre QG avec ce super lance-pierre. Vous resterez collés et je viendrai vous engluer encore plus. Et vous resterez des pyjapos de colle pour toujours. Tout ça, c'est de ma faute. On ne serait pas dans cette situation si je n'avais pas essayé de battre mon record des super-héros. Si on veut se sortir de cette poisse, il va falloir qu'on travaille en équipe. C'est l'heure d'être des héros. Glu-glu, décolle-nous de là. Glu-glu, méga musc. Yes, à toi de jouer, Bibou. Place à tes prouesses aériennes. Tu l'as dit, Bibou, aile de la nuit. C'est parti pour le plus grand sauvetage de tous les temps. Et cette fois, on va jouer collectif. Bibou, vas-y. C'est impossible! Ça vous dit un peu de pyjabouling? Beau travail, les amis! C'était vraiment la plus géniale des missions! T'es pas triste de ne pas avoir pu faire le plus grand exploit de ta carrière? Non, le plus important, c'est d'avoir arrêté Ninjaka, tous ensemble! Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! On n'a qu'à l'appeler la plus grande défaite de Ninjaka contre les pyjamas. On ne va pas le revoir avant longtemps. Ouais! Maintenant, on va voir qui est le meilleur tambour-major. Ha! T'as même pas de tambour! Les héros n'ont pas besoin de tambour, Ninjaka! Surtout quand ils savent faire ça! Allez, les pyjamasques, on va leur montrer qu'il y a le rythme dans la peau. Ouais. Quoi? Ça suffit, les ninjas zigotos. Je peux y arriver. 1, 2, 3, 4. Gauche, droite, on tourne. Demi-tour. Et on se met en place pour la pyramide. Ouais. Ninja Zouave, tous en place. Stop de Ninja Zozo. Quoi? Mais c'est mes Ninja Zouave, pas les vôtres. Ils font rien d'autre que suivre le meilleur tempo, Ninjaka. Oh, ces étoiles collantes vont t'arrêter. Les gens, le grand vaisseau. Si ce n'est pas moi qui mène la parade, ce sera personne. En place, sur le côté, en ligne. J'ai peut-être pas besoin de mon tambour pour mener la parade, mais je t'empêcherai de tout gâcher. C'est vous, les pyjamas, qui gâchez toujours tout. Désolé, Ninjaka, mais c'est pas ton carnaval, c'est le nôtre. Et tout le monde le veut rigolo et plein de couleurs. C'est pour ça qu'on ne t'a pas laissé faire. Vous m'avez battu pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, ce ne sera pas aussi facile. Oh oh. Bibouzouave, venez ici tout de suite. J'ai dit tout de suite, je suis votre chef. Donnez-moi ça. Tu devrais peut-être leur parler plus gentiment, Bibou. Gentiment? Mais ils s'amusent bien à m'obéir. Pas vrai, les Bibouzouaves? Bibouzouaves, ça, c'était vraiment pas gentil.
moi. Je suis venue chercher mon char. Bibouzoave, je vous ordonne de l'arrêter. Ils sont à moi, à moi. Allons-y, mes ninjazoaves. 3, 2, 1, décollage. Ha, tu ne vaux vraiment rien comme chef, tête de piaf. Oh, c'est vrai, je ne vaux pas mieux que Ninjaka. Maintenant, mes bibouzoaves me détestent et on a reperdu le char. Tout ça, c'est de ma faute. Ça va aller, ils étaient contents d'être tes bibouzoaves. Parce qu'ils étaient tous en colère contre Ninjaka. Alors, peut-être qu'ils peuvent toujours nous aider. Je veux dire, nous aider dans notre mission, pas m'aider à m'amuser. C'est l'heure d'être un vrai héros. Stop, Ninjaka! Rends-nous ce char! Pas question, il est à moi maintenant. Comme les ninjazoaves, ils ne feront plus jamais ce que tu leur dis. Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne suis pas votre chef, mais juste quelqu'un qui a besoin de votre aide. Oh, c'est trop triste. Encore un peu et tu vas me faire pleurer. Surtout, ne l'écoutez pas, c'est moi votre chef. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Le char est trop lourd, vous devez sauter, tout de suite. Mais t'as peur de quoi? T'es un ninja, tu ne crains rien. Allez, lance-toi! Oh non! Il leur demande de sauter! Hein? Il faut le sauver! Chut, te tiens! Voilà, ça va maintenant? Hein? Désolée, cette chaise est prise! Ah. Ha. Ah, dommage, tête de piaf, t'es éliminée, oust! Oh, nom d'une plume, t'es vraiment trop fort! C'est entre toi et moi maintenant, sac à puce. Mais tu vas me laisser gagner, n'est-ce pas? Parce que si tu ne le fais pas, j'écrabouille votre gâteau. T'as pas le droit de faire ça. Ah oui? C'est ma fête, je te rappelle. Et si je ne gagne pas, personne n'aura de gâteau. Yo-Yo, tu dois le laisser gagner. Oh! Ah, sayonara, le chat de gouttière. Yo-Yo, rapido! Qui va à la chasse prend sa place? Comment t'as... Mais t'as... Mais Yo-Yo, on t'avait dit de laisser gagner Ninjaka! Quoi? Mais les ballons rendraient trop bien à la fête de Gluglu. Tu les aimes pas? Qu'est-ce que tu fais avec ça, cuisse de grenouille? Ninja Zouave! Je l'ai, Gluglu! Quoi? Non, c'est mon gâteau! De traces de Ninjaka. Il a enfin compris que je suis trop fort pour lui. Mais le gâteau de Gluglu a failli y passer. Ça va, on l'a maintenant. Et on a les super ballons mettre fin en prime. Ça fait une heure que je te le dis. Mon thème à moi, c'est les lézards. Tu dis ça maintenant, mais attends un peu de voir comment ça va rondre. Le giga gâteau géant de Maître Fang. Je voulais vraiment le gâteau en forme de lézard. Et maintenant, j'ai ce gâteau qui me sert à rien. À moins que vous vouliez faire un petit échange. Jamais. D'accord, on échange. Non, pas le gâteau de Maître Fang. Mais si, regardez-le, il est trop cool. Il a raison, il est trop cool. Surtout si vous appuyez sur ce petit bouton. Hein? Et ça fait quoi de spécial? Ah, ça pour être spécial, ce gâteau est spécial. C'est un gâteau éclabousseur à la crème fouettée collante. Qu'est-ce que tu cherches en ralentissant tout, Roméo? Tiens, mais ce sont les pyjamas. Vous arrivez pile à temps. Pigé? Attends. Mais on ne m'en reste plus ce soir. Tout à fait d'accord, maître. Ah, toi aussi tu trouves? J'ai décidé de ralentir la cadence car si tout le monde bouge au ralenti, alors plus personne ne pourra m'empêcher de devenir le maître du monde. Et une fois que j'aurai placé mon horloge au milieu de la ville, l'onde de choc atteindra tout le monde sans exception. Vous bougerez tous au ralenti pour toujours. Oh, trop cool! Je suis un vrai génie! Mais je vous avais prévenu! Par mes oreilles de chat, on ne te laissera pas faire, Roméo! Glu-glu, maintenant! Mais enfin, où est-ce qu'il est? Maintenant! Maintenant! Glu-glu? Non, d'un serpent rampant! Regardez, on dirait qu'il vole! Dommage, c'est raté, bande de traîneurs! Oh mince! Roméo est reparti! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Glu-glu? J'ai remarqué ce
chien au loin. C'est trop chouette de le voir au ralenti. Luglu, voyons, tu as laissé Roméo s'échapper. Il faut que tu te concentres. Ne vous en faites pas, j'ai un super plan. On n'aura aucun mal à l'arrêter, les amis. Grâce à la reptilomobile, je vais pouvoir me rapprocher du labo de Roméo, rouler juste à côté de lui sans qu'il ne me voie venir. Regardez, le labo, il est là. Camouflage reptilomobile. Robot, tu n'entends pas un bruit? Négatif. Je parie que ce sont ces pyjamasques de malheur. Oh non, il y a un oiseau. Pousse le piaf, allez, envole-toi. Va-t'en, va-t'en. Bizarre, on ne voit pas ça tous les jours. Une minute, ce sont les pyjamasques. Cette fois, je les tiens. Oh non, il nous voit. Glu-glu, faut partir. Hé, regardez un peu cet oiseau. Est-ce qu'il vole? Où est-ce qu'il est posé? C'est trop rigolo. Glu-glu, oublie un peu l'oiseau. Attention. Le voilà, le plus beau joyau de l'univers. Pour moi toute seule. Et mon lune, décroche-moi la lune. Ouais, avec mon méga aimant. Tu vas être à moi, rien qu'à moi. Pas si les pyjamasques t'en empêchent. Hein? Si vite, les papy nuits! J'ai les papy nuits et Bibou s'occupe de Sorceline. Ramasse les mains, Gluglu. Ma pierre! Mais Gluglu, c'est qu'un caillou! Prends les mains, récupère les mains! Oh, mais il est à portée de main! Aérolune, décolle! Tétard, il tient à son pauvre caillou. Mais ce n'est qu'un fragment de lune. Moi, je la veux toute entière. En fait, tu m'as rendu service en choisissant ton porte-bonheur plutôt que mon aimant. Grâce à toi, j'ai le champ libre, les arglions. Pouvoir de la lune, décroche-moi la lune. Mille reptiles. C'est vrai, j'ai fait passer un simple objet devant notre mission à tous. C'est l'heure d'être un vrai héros. Oust, oust, oust. Ouf. Merci, Gluglu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais comment arrêter Sorceline. Tout ce que j'ai à faire, c'est lâcher ma pierre. Qu'est-ce qui se passe? Je demandais à mon aimant de m'attraper la lune. C'est ce qu'il fait. C'est un petit morceau de lune. Ma pierre porte bonheur. Super idée, Gluglu. Mais peut-être que s'il y avait plus de pyjamasques... Mille reptiles. Maintenant, ils sont quatre. Suivez-moi, les yo-yo. J'ai un plan pour m'en débarrasser. On va leur faire tourner la tête à ces robots. À plus, les robots. Pas si vite. On dirait bien que tes clones ont leur propre idée en tête. Mais qu'est-ce que vous faites? Faites-les tourner. J'ai une meilleure idée. Je le fais plutôt rouler jusqu'à ce qu'il ait le tournis. Je fais le tour de la ville avec le mien jusqu'à ce qu'il soit perdu. Et moi, je vais continuer à courir dessus. C'est super bon pour la forme. Bye. Attention. Récupérer ce multiplicateur qui va suivre notre idée cette fois. Laisse-moi une dernière chance. J'ai un nouveau plan. Et avec tous ces yo-yo, ça va marcher. On va utiliser ces rondins pour enfermer Roméo. Et on fait comment pour récupérer son invention? Je vous expliquerai plus tard. Vite. Pourquoi abandonner?
On devrait plutôt construire un piège à robot avant qu'il revienne. Moi, je vais construire une catapulte à robot. Si je me sers d'un rondin pour faire un croche-patte, je peux tous les faire tomber. Arrêtez, stop! On a besoin de ces rondins. Moi, j'en ai besoin. Ça suffit. Faut suivre le plan, c'est... Regardez un peu ma Corée. Oh, tu serais le meilleur de l'école si tu jouais dans notre concert. Oh, le concert! Non! Ah! Wow! T'as vraiment complètement détraqué mon rapido camouflage. Quoi? Tout va bien. Glugli aussi est fan de toi. Oh, bien, bien, bien. Un lézard disco. Ça fera bien dans le décor pendant le show. L'effet boule à facettes. Ça mettra le chanteur en valeur. Popstar, popstar, popstar! Où est-ce qu'ils sont tous passés? Venez les ninjas zouaves, on va tester une autre salle. Enfin, je préfère ça. Je suis désolée, d'habitude j'ai peur de rien. Mais quand je me suis imaginée sur scène devant tout le monde, j'ai complètement paniqué. On comprend, Yoyo, mais on fait quoi maintenant? Du coup, il va falloir annuler le concert. Attendez, je viens d'avoir une idée. Voilà qui est digne de moi. Envoyez la musique. Ok, je vais accrocher les instruments à cette corde d'un côté et Bibou prendra l'autre pour voler jusqu'à toi au plafond. Cool, caméléon. J'aurais plus qu'à les remonter avec mes glu-glu mains collantes. Un ninjaka qui chante. Je suis la plus grande pop star. J'en reviens pas qu'ils se prennent pour une star de la chanson. Je suis sûre que demain on fera tous mieux que ça quand on montera sur scène. Hein? Quand on montera sur scène? T'as réussi à attacher tous les instruments? Je crois que oui. Alors Glugli n'a plus qu'à les remonter. Mieux pour détruire ma citadelle. Désolée, Yoyo. Je pensais pas que le méga miaou te ferait perdre le contrôle. Ouais, ce méga miaou était surtout une méga bêtise. C'est à moi de jouer maintenant. Rectilo mobile mode camouflage. Où est passée l'autre tête de tétard? Ninja Zouave, qu'est-ce que vous fabriquez tous dehors? Retournez tout de suite dans les bus et arrêtez Gluglu. Ninja Zouave, donnez-lui une bonne leçon. Oh oh, vaut mieux pas que je m'éternise ici. Gluglu Reptilo camouflage. Mais c'est pas possible, il a des catapultes à étoiles collantes. Il faut qu'on s'équipe nous aussi. On n'en a pas besoin, Bibou. Notre base a déjà plein d'autres systèmes de défense. Oui, Bibou, tu penses que tu peux nous donner un coup de main? Oui, je pourrais si... Rebonsoir, les pigeons capables. Admettez-le, mon QG est de loin le meilleur. Le moment est venu pour moi de détruire le vôtre. Pas encore, on ne s'est pas servi de notre ventilo-catapulteur de boules de poils. Oh oh. Prends ça. Alors, crâne de piaf, on est devenu myope comme une taupe? Oh! Attends un peu que j'ajuste mon tir, Ninjaka. Hey, Bibou, on est dans le même camp. Voilà où t'étais caché, toi. Laisse-moi t'emmener faire un petit tour de manège. Allez, faites-la basculer. Exécution. Non, ne faites pas ça, je vous en prie, arrêtez. Accroche-toi à moi, Glu. Écartez-vous, Glu-Glu, Mécanus. Ninja Zouave, montez sur la statue. Je veux que vous la rendiez encore plus lourde. Ça, hein? C'est pour moi, merci. Je sais comment la réparer. Même si ma sculpture est détruite, je peux encore sauver celle de Ninjaka et les œuvres d'art de nos amis. C'est l'heure d'être un vrai héros.
Ninjaka. Toi, tu te charges de sortir les œuvres d'art du musée. Yo-yo, rapido! Qu'est-ce que tu fais avec maman? Tu accepterais de me la prêter, Ninjaka, pour me prêter ma porte? Elle est bonne, hein? Elle va pas pouvoir tenir très longtemps. Méga giga muscle. Bibou Tornado. Regarde, Ninjaka, ta statue est réparée. Ce serait dommage de la détruire, du coup. Ma belle œuvre d'art, elle est à nouveau en un seul morceau. Par mes écailles, j'en peux plus, c'était moins une. Tu l'as dit, tête de tétard. Ma statue a été sauvée de justesse. Maintenant, retour au point de départ, à mon plan. Voler toutes les œuvres du musée et me débarrasser des horreurs. Non, trop tard, Ninjaka. Ton plan tombe à l'eau. Eh oui, tout est sorti du musée et mis en lieu sûr. Quoi? Alors je vais devoir passer toute la nuit à essayer de les retrouver? Tout ce temps perdu pour quelques dessins de gamins. Tu ne pourrais pas simplement profiter de ta belle statue? C'est vrai que si je la ramène chez moi, je pourrais m'admirer en permanence, le rêve absolu. Je pourrais me regarder 24 heures sur 24. Bien, on l'emporte, les ninjas zouaves. Vision? Attends, je peux essayer. Reculons, Vision. Oh, je vois Roméo. Ah non, ça y est, je le vois. Non plus. Le voilà. Oups. Comment tu fais pour voir les choses de très près avec ta hibou vision? Et je viens de faire une roulade arrière. Je crois que je vois Roméo de ce côté. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que ça va? Oui, mais je suis coincée. Les garçons, vite, ils s'enfuient. Encore un effort, on va te sortir de là. Voilà. Venez, attrapons-le. Voler, c'est ma spécialité. Pourquoi vous ne vous posez pas? Parce que voler, c'est trop bien. Et puis, si on vole tous, on attrapera Roméo plus vite. Tu peux peut-être nous montrer quelques trucs, comme s'arrêter ou faire un looping. D'accord, essayez de me suivre. Par mes écailles, elle est rapide. Ça, c'est vrai. Allons-y. Les Super Zéro, on n'attend plus que vous. Ces pouvoirs de hibou sont plutôt chouettes. Mais quand j'aurai récupéré les autres pouvoirs des pyjamasques, rien ne pourra plus m'arrêter. Venez par ici, mes petits piou-piou. Non, c'est un piège. Arrêtez-vous. Mais tu nous as pas montré comment faire. Par mes oreilles de chat. Que j'ai copié tous vos pouvoirs, rien ne pourra m'empêcher de conquérir le monde. Roméo, tu ne t'en tireras pas comme ça. Je m'en tire très bien, au contraire. Avec vos pouvoirs associés à mon génie, je suis devenue invincible. A plus, les pyjaminus. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas été aussi énervée que vous utilisiez mes pouvoirs, on l'aurait déjà stoppé depuis longtemps. Ça ne fait rien, Bibou. On est désolés, nous aussi. On s'est un peu trop emballés à l'idée de pouvoir voler. Et maintenant que Roméo a récupéré tous nos pouvoirs, on va avoir besoin de rassembler toutes nos forces pour l'arrêter ensemble. Bien. Mais d'abord, je vais vous apprendre quelques trucs. Applaudissez, mon petit peuple adoré. Nom d'un hibou déplumé, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous envoyer rejoindre cette peste de sorceline. Belle entrée en scène, les Super Zéro. Ah, c'est quoi ce truc? Je suis Maxi,
suis Gluglu et je suis là pour t'empêcher de voler le char de la parade, surtout celui en forme de lézard. C'est mon préféré. Hors de question. Une fois qu'ils seront à moi, je les ferai défiler en plein centre-ville pour réveiller tout le monde en fanfare. Attrapez-les, les papilles nuits. Oh. Vous êtes vraiment des bons à rien, les papilles nuisances. Aérolune. Prenez les autres chars et suivez-moi. Allez, soulevez-les. Vous n'êtes pas des papillons, vous êtes des larves. On ne peut pas la laisser réveiller tout le monde et se montrer. Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan. Attends, moi aussi j'en ai un. Et le mien est géant. Gluglu, qu'est-ce que tu fais? Je vais agrandir cette veine. Si je décuple sa taille, elle sera parfaite pour enfermer Sorceline et ses papilles nuits. Quoi? Oh non! Ok, oui. Dépêche, Gluglu, rétrécis-le. T'inquiète pas, je m'en occuperai plus tard. Il faut juste que j'agrandisse assez la benne pour le contenir. Attention! Hein? Alors comme ça, le Maxi Lézard a fait une Maxi bêtise? Peut-être conduire à ta place aujourd'hui. T'inquiète pas, on va t'aider à redevenir comme avant. On a juste besoin d'une idée. Moi, j'en ai une. On roule vite autour de Ninjaka et de Roméo pour leur donner le tournis. Et je saute du chabolide pour attraper le rétrécisseur. Mais le rétrécisseur est Maus. Et toi, t'es vraiment... petit. Tout ira bien. C'est pas parce que je suis un petit peu moins grand qu'on doit changer nos habitudes. Allons-y. Échapper. Et où sont les pyjamas que maintenant? On va leur donner le tournis à ces méchants. Quoi? Pousse-toi de là, espèce de ninja ahuri. C'est moi la ahuri? Tu plaisantes? Tu ne tiens même pas debout. Youhou, ouais. Hey,
avec mes glu-glu pieds collants. Pas la peine, glu-glu. J'ai un plan qui va marcher à tous les coups. Oui, mais le mien est encore plus... J'ai besoin de vous. Il faut vite reprendre l'astro-hibou. Bon, ben, mon idée attendra alors. Bibou, trouve Roméo grâce à ta hibou vision. Et ensuite, je compte sur toi pour qu'il ne nous remarque pas, glu-glu et moi. Hibou vision. Je l'ai fait. Ok, à trois, on fonce dans le dôme en même temps. Il ne sera pas assez solide face à tous nos pouvoirs. 1, 2, 3. Glu-glu, méga plus. Bibou, tornador. Yo-yo, méga saut. Vous échauffez pour la fête? J'ai de la déco. J'adore les ballons. Surtout quand ils ne sont pas à moi. Réessaye la tornade tourbillon. Je sais que tu peux le faire. Hé, Yo-Yo, tu nous fais une petite pirouette? Oh non, j'avais oublié. Tu sais pas faire. Mais moi, oui. Par mes écailles, on n'arrivera jamais à sortir d'ici. Sauf si Yo-Yo arrive enfin à trouver une nouvelle idée. J'en ai une. J'arrive pas à faire la tornade, mais je peux me servir de mon yo-yo rapido. Je vais courir super vite à l'intérieur du dôme. Il devrait finir par s'envoler. Yo-yo atteint sa vitesse maximale. Yo-yo ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Eh ben, au lieu de la neige, ça a obtenu des lumières disco et une jolie banderole. Les choses avancent de mieux en mieux. Pour moi, bien sûr, pas pour vous. Yo-Yo, je sais que tu n'as pas envie de le faire, mais... Pas question, je vais encore être ridicule. Ah, j'ai vraiment un super plan cette fois. Prêt, les amis? On lance des boules de poils et ensuite on va chatapulter le chabolide. Là, c'est sûr, on va réussir à sortir. Lancez de boules de poils. Catapulte. La fête est terminée, sorceline. Éjection. Éjection. Mille reptiles. Yo-Yo, accroche-toi à un de mes pieds. Et quand je dirai voler, Glu-Glu, tu attraperas l'autre. Très bien. Bibou supersonique arrive. À vos marques. Prêt? Volez! Wow, wow, wow. Bibou, aile de la nuit. Bien joué, Bibou. Je vais dominer le monde. Régner sur la terre et dans les airs. Robot, donne-moi ce truc. Encore une minute. Donne-le-moi. J'ai presque terminé ce niveau. Yo-Yo, tu vas surveiller Roméo et le robot pendant que j'amènerai discrètement Glu-Glu jusqu'au pyjama scanner et que je le déposerai. D'accord. Ensuite, je désactiverai la fusée avec mon Glu-Glu reptilo camouflage. Encore une minute. D'accord. Mais baisse le volume. Glu-Glu reptile au camouflage. Mais... Oh, j'aurais dû me douter que cet engin n'était pas fiable, vu que ce n'est pas moi qui l'ai construit. Un robot. Oh, laisse tomber. Au moins leur QG sera détruit une bonne fois pour toutes. Allons-nous-en. Quoi? Non! C'est bon voyage, Roméo. On gardera ton téléporteur en sécurité ici, au QG. Ah ah hein? Vite, on n'a plus que quelques secondes. On a réussi. On a sauvé le QG. Oh, ces pigeonouilles ont le don de m'énerver. Robot a gagné. Vous avez trouvé la coupe? Alors continuez à chercher, je veux la voir. Yo-Yo, sers-toi de ton acrobasso et moi de mes ailes de la nuit. Comme ça, à deux, on soulèvera Glu-Glu. D'accord,
Dépêchez-vous. À trois. Un, deux... Vas-y, vite, yo-yo. Je suis résistant, mais je suis pas non plus en caoutchouc. Refaisons un essai, mais ne te précipite pas. D'accord. Maintenant, il faut qu'on soit synchronisés. Un, deux, 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 un, deux. Et à trois, mes étoiles collantes sont là. Oh, il triche, le vilain. Ne t'en fais pas, on est encore dans la course. À trois. Un, deux, trois. Un, deux. Vous aviez dit qu'on avait le temps de faire une pause. Tu avais raison. On va gagner. Hein? Oh! Mais on ne gagnera que si on sprint à fond sur les derniers mètres. Allez, venez. Oh non! Oh! Oh! Yo-yo, on a failli perdre. Mais c'est tout le contraire, on a gagné. Oui. Dommage pour toi, Ninja Kanaï. Oh, tout ça, c'est de votre faute, les ninjas zouaves. Oh, oh. Très bien, une course a été gagnée par Ninja Kanaï et une autre course a été gagnée par les Pyjaminus. Alors, celui qui remporte cette dernière course remporte la coupe. On n'a pas le droit de perdre. Et puisque vous n'avez pas trouvé ce trophée, bande d'incapables, c'est à moi de jouer maintenant. Bonne nouvelle, je vais participer à la course. Yo-yo, laisse-moi prendre le bulldozer et moi je pourrai arrêter Roméo. Non, Glu-Glu, y a que moi. Yo-yo. Ok. Si tu veux pas que j'utilise le bulldozer, je vais prendre le propulseur à la place. Non, Glu-Glu, fais attention. Le propulseur peut vraiment être dangereux. J'aurais dû le laisser utiliser le bulldozer. Yo-yo, au secours! Ne t'inquiète pas, Bibou, je vais te sortir de là. Enfin, Bibou, aile de la nuit. Propulseur était pas facile à... Enfin, j'ai mon propulseur. Maintenant, je vais aller conquérir le monde. Bon, par quoi je commence? Mon rouleau à mort, vous? Les crabouilles d'oie? Oh non, comme prévu, je vais utiliser le Vapoprout. Je suis vraiment le meilleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Hé, hey, j'ai une idée. Hein? T'es sérieux, Yo-Yo? Tu veux vraiment remettre ça avec le bulldozer sauteur? Non, je sais que Glu-Glu s'en sert mieux que moi. Et comme c'est l'heure d'être un vrai héros, je lui laisse ma place. Cool, caméléon! Saute, Yo-Yo! On va y aller ensemble! C'est parti! Les graines, elles vont se répandre dans tous les sens et tout est de ma faute. Bien fait pour vous, les Pyjaminus! Pour mes écailles! Elle pousse partout, on va être envahis. Sorceline aura bientôt son jardin lunaire. Les fleurs vont pulluler dans toute la ville et détruire toutes les autres plantes. Et je n'y serai pas arrivée sans toi. Elle a raison. J'aurais dû vous demander de l'aide, mais je voulais vous montrer que je m'y connaissais aussi en jardinage, même si je n'avais pas appris en colo. C'est pas grave, Bibou. Et vous avez une nouvelle idée maintenant? Je vous écoute, je vous écoute vraiment. Réfléchis, Yo-Yo, réfléchis. Ces graines sont vraiment partout. Oh! En fait, elles vont surtout là où le vent les porte. C'est ça! C'est une idée géniale, Glu-Glu! Là où le vent les porte. La solution, c'est de faire en sorte que le vent souffle dans la bonne direction. Je sais ce qu'il nous reste à faire, mais je vais avoir besoin de vos talents en jardinage. C'est quoi alors ton plan? Suivez-moi, c'est l'heure d'être un vrai héros!
Bibou, ça va aller. On est là. Yo-yo, glu-glu. Je suis désolée. Je voulais vous montrer que j'assure vraiment en foot. Mais ça, on le savait déjà, Bibou. Tu seras encore meilleure si tu faisais la passe. T'as raison. C'est un sport d'équipe. Nous aussi, on est une équipe. C'est l'heure d'être des vrais héros. Oh. Il faut faire sortir Bibou de ce ballon lune. On pourrait le faire éclater avec un truc vraiment très pointu. Et pourquoi pas le grand poteau qui est devant le musée? Glu-glu, fais rouler la balle. Yo-yo, va devant et guide-le. Où sont passés les pyjaminus? Par ici. Un peu à gauche. Attention. Le lampadaire. Hein? Ha! Ballon lune, reviens ici. Non. Hé! Pourquoi on s'est arrêté? C'est l'aimant lune. De chanceline. Il est trop puissant. J'ai trouvé. On va tous travailler en équipe. Glu-glu, tu te sers de tes méga muscles. Yo-yo, de ton yo-yo rapido. Et moi, je vais utiliser mon bibou tornado. Ce ballon lune, glu glu méga muscle. Vous êtes prêts, mes coéquipiers? Ça va rouler. Ouais. Qu'est-ce que vous fabriquez? Non, non, non. Ouais. Youh. Cassé ou pas, ce micro n'est pas à toi, Sorceline. Alors rends-le nous et plus vite que ça. Il est toujours doré et brillant. Et à moi, à moi, à moi. Bibou, Glu-Glu et moi, on s'occupe du papy nuit. Et toi, tu ne quittes pas Sorceline d'une semaine. Par ici, les papy nuit. Je parie que vous n'arriverez pas à m'attraper. Glu-Glu reptile au camouflage. À mon tour. Yo-yo, rapido. Merci, Bibou. Si seulement j'avais pas cassé le micro sans faire exprès. Attendez, il y a un bouton. Peut-être qu'il s'est simplement éteint quand je l'ai laissé tomber. Hey-oh! Ouais, il remarche. Hé, hey, Sorceline, tu veux entendre ce que c'est qu'un vrai concert? Les papy nuit, récupérez-moi ce micro! Yo-yo! Voilà, il est temps de remettre ce micro à sa... Mille reptiles, rends-moi ce vélo. C'est pour les autres enfants, pas pour les méchants. Wow. Wow. Les Zouaves sont costauds maintenant. Oui, ils auront bientôt le niveau pour s'entraîner contre moi. J'ai dit bientôt. Pour le moment, direction le nouveau camp d'entraînement. Tourneur de page. Bien essayé, Glu-Glu. Mais pour y arriver, il faut qu'on s'y mette tous. Non, pas la peine. Ces ninjas Zouaves sont des minus. Je suis plus fort qu'eux à moi tout seul. Allez, venez. Hmm.
Ça doit peut-être pouvoir marcher. Bien sûr que ça va marcher, grâce à ma super méga force, vous allez voir. T'es sûr que tu ne veux pas un coup de main? Non, ça ira. Moi et mes méga muscles, on n'a pas besoin d'aide pour assurer. Restez là et admirez ça. Vous êtes presque prêt à pouvoir vous entraîner contre moi. Je l'ai. Maintenant, je vais la rapporter à notre QG. Juste un essai pour voir. Ça ne peut pas faire de mal. Glu-glu méga plus! Oh. Oups! Glu-glu! Haha! Il a fait échouer votre plan. Et ses petits bras musclés n'ont même pas fait une égratignure. Maintenant, observez un maître ninja utiliser toute sa force. Ninja force surpuissante! Le centre sportif! Oh non! Jouer, Glu-Glu. Merci. Je me disais que je pourrais peut-être essayer une dernière fois. Mais... Je ferai très attention. Je sais que je peux avoir cette médaille. Surtout avec mon Glu-Glu méga triple coup de poing. Ah. C'est pas un coup de poing, ça. C'est un coup de mou. Tu crois ça? J'y arriverai la prochaine fois. Tu verras. Ninja Zouave, prenez le bélier. 1, 2, 3. Quoi? Je suis bien assez fort pour l'arrêter. Glu-glu broyeur de roche. J'ai toujours pas réussi à la casser. Encore un petit essai. Là, ça commence à devenir ridicule. Tu veux dire ridicule comme quand Ninjaka s'est servi d'un lampadaire pour essayer d'écrabouiller son rocher? Yo-Yo à la rescousse! Oh! Yo-Yo, fais quelque chose! Oh, oh non! Décolle! Décolle! C'est ce que j'essaye de faire! Oh! Oh! Où ils sont? Là! Ils sont trop loin! Ninjaka est trop doué pour faire des loopings et pour plonger en piqué. Et pour tout, en fait. Je lui arrive pas à la cheville. Attends! Où est-ce que tu vas? Je rentre au QG. Vous serez bien plus efficace sans moi. Non, c'est pas vrai. On a besoin de toi. Tu es la meilleure pilote qu'on connaisse, Bibou. On a confiance en toi. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Tu es la seule qui puisse nous apprendre à voler. Et si tu ne le fais pas, Ninjaka va mettre la main sur toutes les machines volantes de la ville. Quoi? Je vous ai manqué, les Super Zéro. Vous arrivez à temps pour me voir voler un autre engin. T'as entendu, Bibou? Il se dirige droit sur nous. Donc, peut-être qu'on devrait se cacher derrière le QG et les prendre par surprise. Oui, d'accord. Suivez-moi, alors. Il se rapproche. Oh! Oh! Oh non! Revenez! Oh! L'astro-hibou accidenté est sûrement à l'intérieur du QG. Pendant que ces pigeonneux continuent de se donner le tournis, on va réduire leur repère en miettes et écrabouiller leur astro-hibou une bonne fois pour toutes. Ah! Yo-Yo, vire à gauche! Ah! Non, je voulais dire à droite! Ah! Faites demi-tour! Ah! J'aurais jamais pu le faire. T'es génial. Merci.
merci. Je crois que j'ai fait le malin en disant que je savais voler. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, Yo-Yo. Aéroline! Oh, mon Aéroline chérie, trop content de te retrouver. C'est l'heure d'être un vrai héros. C'est toi qui sais voler. On a besoin de ça pour arrêter ce ballon et sauver Gluglu. Merci. Mais si on le faisait ensemble... Yo-Yo, rapido! Aide la nuit! Pousse-toi, sorceline, je vais sauver Gluglu. Pas question! Qui ne veut pas mouiller ses petites papattes, tu ne pourras rien contre moi. Ça veut dire que j'ai gagné! J'ai gagné! Waouh! Nuage, alignez-vous et encerclez cette poule mouillée! Oh! Oh non! 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 Ha! Maintenant, je peux retourner remplir la cuve de nuages! Pouvoir de la lune! Fabrique plus de nuages! Et mets-les dans la cuve! Je ne peux pas la laisser faire. Je préfère encore être mouillée et détester ça que de laisser tomber mes amis. C'est l'heure d'être un vrai héros. Yo-Yo, rapido! J'arrive, les pyjamas! Plus rapide que l'éclair, waouh! L'incroyable Yo-Yo court sous les nuages, waouh! Il les oblige tous à le suivre. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu fais? Voulu me mouiller, sorceline. C'est à ton tour. Ah, je suis trempée. Wow. Ah. Ah. Wow. Je vais aspirer les nuages à... Il faut que tu remontes sur l'aérolune pour aider Yo-Yo. Encore? Mais je ne suis pas douée pour ça. Tu le saurais si tu restais dessus au lieu de paniquer à chaque fois et de redescendre. Il faut que tu essayes pour de vrai. Je sais que tu peux y arriver. Ah! Yo-Yo! C'est vrai, Bibou. Tu as raison. Il faut au moins que j'essaye de le sauver. C'est l'heure d'être un vrai héros. Glu-glu, reptilo, camouflage. Où a bien pu passer ce lézard gluant? Hein? Mais comment? Hé! Merci! C'est le mien! Tiens bon, Gluglu, tu peux le faire! Gluglu, je commence à glisser! Donne-moi la main! Si je m'épanche pour t'attraper, je vais perdre l'équilibre! Accroche-toi, tout va bien se passer! Je te promets! Il faut juste que je ne panique pas et que je me concentre pour diriger ce machin!
savais que tu y arriverais. Tu vois, il suffisait d'essayer. Oui, Papy Nuit. Laissez-moi partir, bande de super zéro. C'est terminé, Sorceline. Ouais, on a ton aérolune. Tu ne pourras plus voler aucun cadeau. Oh. Ce n'est pas juste, je n'ai jamais droit à un vrai Noël. Je le fais toujours toute seule. Quoi? Tu n'as personne avec qui passer Noël? Mais c'est drôlement triste. Hé, hey, pourquoi tu le passerais pas avec nous cette année? Avec vous? Oui, il faut qu'on aille rendre tous les cadeaux et redécorer le sapin. Viens nous aider. Et ensuite, on fêtera Noël ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Prêt? Papy Nuit, en escadron! Allez, plus vite que ça! Je ne veux que des champions à mon service! Ha! À ce rythme-là, tous les jouets du magasin seront bientôt à moi! L'équipe qui ramène le plus gros jouet a gagné! L'équipe numéro 1 commence! Vous battre, hein, équipe numéro 2. Serpent rampant, on ne peut pas laisser Sorceline et ses papis nus voler tous les jouets. Les papis nus obéissent au sifflet. Si on le récupère, ils seront perdus sans lui. Comme ça, Sorceline ne pourra plus les diriger et les faire voler. Super idée. Celui qui arrive à prendre le sifflet à Sorceline a gagné. Attends, c'est pas du tout l'idée. On est en équipe, pas en compétition. De toute façon, la compétition serait gagnée d'avance par moi et mon glu-glu reptilo camouflage. Tu rigoles, je pourrais te battre les doigts dans le nez. C'est ce qu'on va voir. Viens pas pleurer quand j'aurai gagné. Hé, ça suffit. N'oubliez pas ce qui compte. C'est d'arrêter Sorceline. Arrêtez le camouflage. Mais qui me chatouille comme ça? Stop. Arrête. On sifflait. Lâchez le sifflet, j'ai gagné. Mais je l'ai attrapé, donc j'ai gagné. Non, c'est moi qui ai gagné, les super zéros. Vous ne nous arrêterez pas, mes papy Nuit et moi. Aérolune! Vous avez vu ça? Bientôt, c'est moi qui aurai le plus de jouets au monde. J'aime bien la voix du lézard, mais je crois qu'il est temps de changer de disque et de voler celle des deux autres pyjamas. Oh, oh non, je suis en train de perdre ma voix. Il nous vole nos voix. On dirait bien que le génie de Roméo a réussi à nous prendre nos voix à tous les trois. Décidément, c'est le plus brillant des géants. On n'est rien face à lui, surtout que sans nos voix, jamais on ne pourra s'entendre pour trouver un moyen de le battre. Et tout ça, c'est la faute de Glu-Glu qui n'a pas osé récupérer sa voix alors qu'il aurait pu. R-O-M-E-O, Roméo! Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne serais pas en train de dire qu'il est temps d'être un vrai héros? Dans tes rêves, reptile ratatiné! Quand j'imagine tous les sales tours que je vais pouvoir jouer avec leur voix, et c'est ces super zéros qu'on accusera à ma place! J'ai beau savoir que je suis géniale, je vais battre par vous moi-même. Hein? Mais pourquoi j'arrive plus à avancer? Peut-être qu'il y a un problème avec le moteur? Hmm.
sera l'heure de mon émission Ninja Croyable. Ce sera sans vous, les potcalls. De toute façon, vous ne pouvez pas m'applaudir. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Ah oui? Pourtant, je suis en train de le faire. Me sortir d'ici. Bye bye. Gauche, droite, gauche. Je vais vous décoller. Merci, Bibou. Je le déteste, ce ninja. Mais calme-toi, Yo-Yo. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Oui, restez zen comme Maître Fang. Il ne s'énerve jamais, lui. Ça, c'est parce que personne ne lui avait jamais volé son épée avant. Je parie que là, tout de suite, il est aussi énervé que moi. On y va. Allez, allez. Regardez, c'est le dojo de Maître Fang. C'est là qu'il donne ses cours de kung-fu et qu'il enregistre ses émissions. Waouh, son épée est vraiment trop cool. Vous avez vu, il y a plein de pierres précieuses dessus. Oui, il y en a une par année où il s'est entraîné. En mode camouflage, il s'approche et moi je me jette sur... Ça me rend fou de le voir utiliser l'épée de Maître Fang. Il l'a volée. C'est vrai, mais... Yo-Yo, vous me dérangez. J'étais en train d'admirer cette magnifique statue de lune. C'est une statue de hibou d'abord et tu me l'as volée en plus. Non, tu me l'as donnée, tu te rappelles pas? N'importe quoi, elle est à moi. Oh, peut-être, mais c'est plus mon style. Du coup, c'est moi qui vais la garder. Alors, dis qu'elle est à moi. Allez, dis-le. Bon, par ici. Glu, glu, méga mus, c'est parti. Oh, mille reptiles, qu'est-ce que... Ha! Voilà ce qui se passe quand on touche à mon rayon paralysant. Je ne laisserai personne entrer dans mon repère. Oui, et je ne laisserai personne me voler ma sculpture lunaire adorée. Parce que... elle est à moi. À moi. À moi. À moi. Elle ne sera plus à toi très longtemps. Bon, d'accord, sœur Soline, tu as gagné. Tu peux garder la statue. On te laisse tranquille. Ha, j'étais sûre que vous finiriez par abandonner. Mais tu oublies Glu-Glu. On va le libérer et récupérer ma statue. Tout ce que tu as à faire, c'est descendre par l'escalier de secours, remonter par l'escalier de l'immeuble et ressortir par cette porte. D'accord, si tu penses que ça peut marcher. Vas-y, Yo-Yo, maintenant, fonce. Oh non, Yo-Yo! Si je mettais le tétard et le sac à puce dans mon repère lunaire, oui, j'en ferais des statues pour aller avec celle-ci. En voilà une excellente idée. Alors, Bibou, te voilà sans statue et sans amis. Toi aussi, tu veux que je te fiche pour faire partie du mobilier? C'est l'heure d'être un vrai héros. Il n'y a pas le choix. Très bien, j'abandonne. Je te la laisse pour de vrai cette fois. La statue du hibou, la statue de la lune est à toi. En échange, libère Yo-Yo et Glu-Glu. T'es sérieuse, tu me la donnes vraiment? Et je pourrais la garder pour toujours? Oui, tu peux la garder pour toujours. Glu-Glu, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre Cameron à l'abri. Regardez ça. Je suis un ronflosaure. Je retourne dans mon lit. Par ici. Oups. Désolée, par ici. Arrête de jouer au pantin. C'est bon, je gère. Je m'occupe de Cameron et des marionnettes. Laisse-moi tranquille. Je vais lâcher. Glu-Glu, arrête de prendre Cameron pour une marionnette. Mais tu vas lui faire mal. C'est bon, je te dis, je vais le mettre à l'abri. Suivons-le. Par mes écailles. Je ne suis pas sûre qu'il soit en sécurité. J'arrive pas à l'arrêter. S'il tombe de là, il va se faire très mal. Ouais, et il va vraiment finir par se réveiller. Peut-être le faire descendre. Ça ne va pas marcher. Je peux pas l'approcher.
n'avais pas joué à la marionnette, Cameron serait déjà à l'abri dans son lit. T'inquiète pas, Gluglu. Il faut juste le faire descendre. Prends ça. C'est l'heure d'être un vrai héros. Gluglu méga muscle. À la place. Je vais la repeindre en mode ninja tout en noir avec plein d'étoiles. Yo-yo, Bibou, j'ai besoin de vous. J'arrive tout de suite, Gluglu. Nanana, nanana. Moi. Ah, enfin libre. Hé, hey, Ninjaka. Trois pyjamasques qui se serrent les coudes valent mieux que tous tes ninjas soient réunis. Pyjamasques, à l'attaque. Yo-yo, rapido! Tu crois que tu peux me faire peur, tête de tétard? Attends un peu que je comprenne à quoi servent tous ces boutons. Comment ça marche, machin chose? Wow! Écoute, collante! Wow! Glu-glu, Bibou, je suis coincée! Je t'ai posé une colle, le sac à puce. Ninjaka, relâche-le immédiatement. Ninja Zouav, à vous! Puisque mon espion ne veut pas m'aider à infiltrer votre repère, je vais utiliser les bonnes vieilles méthodes. Tenez-les bien, Ninja Zouave. Comment je vais faire? Ninjaka va utiliser notre QG contre nous. Hein? T'es en train de m'aider? Merci, mini Ninja Zouave. J'aurais dû t'apporter mon aide quand on avait besoin. On devrait toujours aider ceux qui ont des problèmes. Désolée. C'est l'heure d'être un vrai héros! Maintenant, si vous voulez que je vous libère, dites-moi quel est le secret pour entrer dans votre repère. Quoi? Jamais! Hein? Quoi? Tu t'es libéré? Oui, Ninjaka, et il est hors de question que tu mettes un seul pied dans notre QG, ou tu auras affaire à moi. Ah, oh, c'est pas vrai! Comme ça, c'est toi qui as aidé cette boule de poil à s'échapper, hein? Yo-yo, un gros vaisseau! C'est toi, le chat! Oh, quel bon à rien, ces ninjas Zouaves! Je vais m'occuper de ces super zéros tout seul! Étoile collante! Étoile collante! Étoile collante! Attention! Oh, mais arrête de l'aider, mini ninja Zouave! Vraiment pas du jeu. Oui, mais c'est toute la ville qui va devenir répugnante si Roméo jette cet œuf de dinosaure. Ok, les pyjamasques, il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant qu'on a retrouvé la reptilomobile, on va montrer à Roméo ce qu'on sait faire.
Je veux que cet œuf soit le plus pourri possible pour qu'il soit l'œuf le plus puant de tous les temps. Il est presque prêt. Vous ne m'arrêterez pas, les Pyjaminus. La catastrophe vous pend au nez. Reptilo mobile, mode éjection prédateur. C'est bon, je l'ai. Oups, je l'avais. Vraiment pas de chance, les pigeonouilles. Bien essayé, les pigeons qui puent. Mais voici un bel œuf sur le plat. Glu-glu, il faut pas que l'œuf se casse. J'ai une idée. Reptilomobile, jet d'eau. T'as si haut, Glu-glu. Non, il faut que je casse cet œuf. Quoi? On va remettre l'œuf comme il était avant. Les œufs qui ont été cassés sont toujours mauvais, mais comme on a retrouvé la reptilomobile, je vais pouvoir nettoyer la ville avec le jet d'eau. Et moi, je vais rapporter cet œuf au musée. Oh. Et va-t'en, allez, ouste. Bien joué, Papy Nuit. Yo-yo, Bibou, un Papy Nuit a coincé la porte, elle ne peut plus se refermer. Essayez de bloquer l'entrée le temps que je trouve une solution. Ha ha ha! Ah non, pas si vite, Sainte-Céline! Bibou Tornado! Ha ha! C'est toujours moi qui ai votre précieuse BD, Pyjaminus. Alors si vous voulez la récupérer en un seul morceau, vous feriez mieux de me laisser passer. Oh, maudite Sainte-Céline! Oh! Percuter
c'est de ma faute. Si je ne m'étais pas laissé déborder par l'idée de gérer tout ça à la fois, j'aurais pu vous aider. Mais tu vas nous aider. Il faut que tu te dises que tu arriveras toujours à résoudre un problème si tu le fais petit à petit. Et notre gros problème, c'est Roméo. Hein? Compris. Et j'ai une idée. C'est l'heure d'être un vrai héros. Ça devrait marcher un peu à gauche et je pourrais commencer à graver la lune. Je suis impatient, Fred. Oublie ça, Roméo. On te laisse une dernière chance de nous rendre le télescope. Alerte intrus.